penses quoi? C'est beau, hein? Ouais. Alors, Kyosho, il y a un truc qu'on peut dire, c'est qu'ils savent faire des carreaux. Voilà. Ça, c'est l'Inferno GT2. Neuve, les amis. Ce truc n'a jamais vu le bitume. De Tonton Mika. Tonton Mika, c'est quelqu'un à qui j'ai fait la FG2GS, vous vous souvenez? À qui m'a acheté mon rebelle, il me dépouille, hein, on est d'accord? Lui est toujours au top list de quelqu'un qui dit, hey, il fait un projet, ah, tout le monde. Bon. Et quand je lui ai livré son rebelle, il est devenu aussi tonton parce qu'il m'a donné un petit FT-019 qu'il faut remettre un petit peu en état. Donc je tiens encore à le remercier pour les bonbons et pour le reste. Voilà, de me faire confiance. Donc je lui ai dit j'arrêtais un petit peu. Mais bon, lui c'est spécial, hein, comme dit, il y a des chouchous partout. Donc il m'a demandé de faire cette annonce parce qu'il veut vendre son Inferno GT2 parce qu'il a du doublon et d'autres projets. Donc Inferno GT2, Kyosho, en trace de 360, carrosserie Audi R8 LMS. Regarde ça. Franchement, elle a une gueule. Ça, enfin, honnêtement, pour ceux qui aiment les jolies choses roulantes maquettes, se faire plaisir avec les yeux, quand même, ça pique. Hein. Voilà. Donc, en dessous, on a bien sûr une Inferno GT2 qui est, comment dire ça de manière polie, qui est un châssis éprouvé. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et totalement neuf. T'as vu ça? Totalement neuf, il n'y a pas une rayure, il n'y a rien. Absolument rien. Donc, châssis Rally Game, Kyosho. 3 diff, bien sûr. Fusée avant alu. Amortisseur alu. Par contre, les tourelles sont, elles, en plastique. On est dur à l'avant, plus dur au centre, et très libre à l'arrière. Donc ça, franchement, deux boîtes, c'est franchement bien joué. Et très réactif aussi à l'arrière en termes de suspect. Et un peu trop. Après, ça dépend. Voilà. Mon avis, ouais, il faut un peu rabousser là. Donc voilà, il veut le vendre. On a ici à bord un moteur combo Vortex Orion. Moteur 4 pôles 2100 kW, je me suis pas renseigné quand même, t'as vu ça? Pignon comme ça, à vue de pif, on doit être dans les 14, 14-15. Variateur 130 ampères de mémoire. D'origine, il y a les prises DIN. J'ai, voilà, si quelqu'un la veut, alors 9, vous savez combien ça coûte ça? Tu peux regarder, hein? C'est un Inferno GT2. RTR, 630 euros. Ouais. Bien sûr, il est prêt à donner, il est prêt bien sûr à bien baisser son tarif. Vous voulez savoir le prix de ce petit bijou qui fonctionne, hein, qui sera vendu avec sa radio, sa carreau. Par contre, il y a une autre boîte avec, c'est une boîte de l'Inferno Neo. Il n'y a pas la boîte de, il n'y a plus la boîte qui a souffert un peu. Donc, Kyosho Synchro. Qui permet de régler par simple molette les reverse des steering et les reverse des gaz, dual arrêt des gaz, dual arrêt et course des gaz. Voilà, donc il y a vraiment ce qu'il faut pour limiter et commencer tranquillement à faire rouler ce châssis. Donc vraiment qui est, je pense, une bonne option pour ceux qui savent se faire plaisir. Après, il y aura peut-être des pneus à changer. Voilà, mais bon, ça fonctionne, hein. J'ai fait le neutre. Tac. Petit cerveau de 9 kg. Pour ceux qui veulent, j'ai encore du Arma et j'ai encore un cerveau Arma 15 kg qui traîne, qui fonctionne, et un cerveau Corali 20 kg qui traîne aussi. Donc voilà. Et on est en dogbone partout. À l'avant, on est en CVD par contre. Ouais.
Là, aussi au dogbone, on a les cardans qui rentrent dans la fusée. Pour un peu, vous avez vu, on va un peu serrer le sauf-serro pour que on ait un peu de direction quand même. Et comme elle n'a pas roulé, je vais pas vous faire un essai dehors parce qu'elle fonctionne. Voilà. Quand il y aura un petit acheteur, donc vous me contactez, ncls-gmail.com. Vous me contactez, vous me demandez prix. Mika a une petite idée, mais ce qui est sûr, ça sera pas non plus donné à 100-150 euros. Hein. Donc faites-moi des propositions honnêtes. Ça sera bien sûr pas le prix du neuf, mais prenez en compte qu'il est neuf. D'accord. Une fois que on est d'accord, je vous soule les prix qu'il vous faut. Et puis en avant gagnant. Donc voilà, c'est un châssis GT assez simple qui est éprouvé. On a des cales plastiques cellule arrière et cellule arrière qui sont en plastique. On a par contre des cales alu à l'avant des cellules. On a un renfort. Enfin voilà, c'est un châssis qui est éprouvé, le Inferno GT2, mais qui en piste après quelques réglages, comme dit. On va refaire un peu selon le profil de l'acheteur, on va refaire les huiles, on va refaire la viscosité pour que ça lui convienne parfaitement et qu'il prenne plaisir. Vous avez vu ces châssis rouler, voilà, vous mettez des bombes dessus, ceux-là sont bons, mais je pense qu'il y en a, vous prenez des Esperacines qui apparemment est arrivé chez Vartel aussi, chez Donuts il est vendu aussi, chez RC Moldestor il est encore moins, c'est encore moins cher, ils ont baissé les prix chez RC Moldestor d'envoi qui sont à 8 euros, donc ça c'est encore bon good deal. Et donc voilà. Ceux qui sont intéressés, mailez-moi et dépêchez-vous parce que peut-être que vous avez déjà loupé le coche. Hein ? Allez, à plus.